Ok. Ok les gars. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud dans le chat? Bon bah les gars, je vous attends. Ah c'est bon, il y a déjà des gens qui sont arrivés. Salut à tous les amis. Est-ce que vous êtes chaud pour cet ultime et dernier Last, the last one épisode sur Inazuma Eleven Gombre? Ça y est, aujourd'hui c'est la fin. Mais genre vraiment la fin. Est-ce que vous allez bien les gars? Ça va, moi ça va super Alcide. Salut à tous. Je pense que ça va arriver là les gars, le temps que les gens reçoivent la notif. Je viens juste de lancer. Putain mais je sais pas boire, ouais, je sais jamais boire. Salut à tous les gars, yo la team notif. Dédicace à toute la team notif. Je pense que vous êtes tous là. Et ça fait plaisir hein. On va faire la fin. Il y a une vague de yo dans le chat. Ça me fume. Putain. Les gars, et ben on va partir. D'abord je vais vous montrer ma team. Ce qu'on a fait du coup. Est-ce qu'on a bien travaillé mercredi dernier sur Twitch? On va voir ça tout de suite. Parce qu'il y avait un live XP et recrutement. Du coup voilà, j'ai deux nouveaux joueurs dans la team. J'ai Slide avec un esprit guerrier. Et j'ai Niort que j'ai recruté. Vraiment, j'ai vraiment trop galéré à l'avoir El Casito. Mais j'ai réussi à l'avoir du coup. Voilà, mais il est que niveau 18 par contre. Donc c'est chaud hein. T'es au niveau, c'est bien. En vrai, j'ai un peu XP les gars dans le live de la dernière fois. Je vais vous montrer ce qu'on a fait comme match. Attendez. Pour ceux qui ont raté, on est allé à la rivière. On avait galéré à avoir El Casito. On avait dû avoir 20 000 objets. Les drops dans un match. Mais c'était super galère à le dropper le truc. Alors, vraiment, c'était. J'ai dû recommencer le match 4 ou 5 fois. C'était trop long. Alors voilà, du coup, la dernière fois, on a fait toute la ligne du bas. Voilà, ça je les ai fait hors vidéo les deux derniers matchs. Du coup j'ai eu un truc, ça s'appelle entraînement spécial. Et sinon, on avait fait voilà ce match là, ce match là. Ce match là, on avait fait 4 matchs pour l'avoir, l'objet. Salut Axelon. Le live Twitch était tellement marrant MDR. Et j'ai tellement ragé lors du live Twitch. C'était trop long à l'avoir. Les trucs. Fait toujours le premier. Ça tu peux mon rep, j'ai déjà fait. Tellement marrant le live de Twitch. Dédicace à moi, dédicace à toi VMso. Bah aujourd'hui du coup le planning clairement ça va être quoi? Ça va être de finir l'after game. Je pense qu'on va peut-être s'entraîner un peu avant. Je vais même tricher pour avoir l'objet. C'est pas vraiment tricher en gros. Je vous explique les gars. C'est quoi cette musique trop épique là? J'étais à mon 4ème match contre les Alpins. Et en gros il y a un mec dans le chat, il m'a dit de, parce que sur l'émulateur tu peux faire un truc en mode tu sauvegardes, mais tu fais une sauvegarde instantanée. Et en gros t'as 10 sauvegardes instantanées que tu peux faire, t'as des slots et tu peux les charger en fait. C'est un peu cheaté tu vois. Donc j'ai sauvegardé avant la fin du match, au bout du 4ème. Et du coup j'ai attendu la fin, j'ai eu un objet de merde, j'ai pas eu l'objet, je crois que c'était une écharpe qu'il fallait avoir. Du coup j'ai repris le slot. J'ai remis, remis la save à ce moment là. Et j'ai attendu et je l'ai recommencé plusieurs fois. Bon c'est un peu triché mais j'en avais marre les gars aussi de faire 20 000 matchs. Niveau 60. Putain. Ça va être tendu alors. Les gars on se fait quoi comme match? On se fait un petit match d'échauffement si vous voulez. Si vous voulez on s'affronte eux. Ils sont assez galères à battre. Avant de passer à la dernière équipe. Enfin avant de passer à l'after game. Vous pouvez l'avoir dans KO au tournoi ultime de Julia dans le local. Ouais peut-être, enfin je sais pas, enfin c'était compliqué quoi. Tu l'as Niord? Ouais on l'a, niveau 18 par contre. Donc ça c'est une autre histoire. Regardez il est là, niveau 18 El Casito, en bas à gauche. Bon les gars c'est parti. Allez on fait un petit match d'échauffe les gars. Bon notre équipe est globalement niveau 49. Allez les gars petit match... Ça c'est la préparation les gars. Alors la formation non je peux pas le mettre frère. Il est trop faible. Désolé les gars hein. Pour l'instant je le mets pas. Merci Lionel AC du sub. Merci beaucoup mon frère. Et c'est parti les gars. Allez on enchaîne les passes hein. Ok, Victor, ça c'est bien. Arion. Oh non, mais alors ça c'est vraiment aléatoire par contre ça. Ah, il va invoquer Quentin. Non? C'est quand Chronostone? Dans à peu près 2 semaines, les gars.
Ouh, j'ai réussi à frapper. Nickel ça. Et on peut voir, j'ai bien augmenté quand même, hein. J'ai fulgurante double tornade de feu 2 maintenant. Pas 1, 2. Tu peux rien faire. Comment affronter Zéro? Alors les gars, je vais vous expliquer. Il y a un abonné qui s'appelle Loïc Maître du Feu qui m'a expliqué sur Discord comment les avoir. J'ai fait le truc dans secret. Normalement on les a. J'espère. Normalement on pourra affronter Zéro à la fin du live. Si tout se passe bien. Parce qu'il paraît ils sont chauds, vraiment énervés. Donc ça, ça va être compliqué. Je me défie de recruter Sahel. Non, c'est trop long les gars. Je vous jure, j'ai passé un live entier de 2h30 juste pour recruter Njord. Pour un joueur. Ah, c'est bon. J'ai plus la patience comme quand j'avais 14 ans à farmer le jeu à mort, tu vois. Non les gars, on va pas recruter aujourd'hui. Peut-être en fin de live à la limite si on a le temps, pour finir avec un petit Marc et un Axel. Mais aujourd'hui clairement le but c'est de faire l'after game et d'XP un peu, tu vois, pour être chaud. Ok, il vient de perdre son esprit guerrier, c'est parfait. Oh mais c'est vrai, il est spam toutes les secondes, il y a un esprit guerrier, putain. Ah mais ouais. Attends, Arion, avance un peu. Remets-la en 1-2. Remets-la en 1-2. Oh, c'est beau ce que je fais. Ça va faire 2-0 les gars. Pour 0, faudra utiliser Griffon. Bah en vrai je sais pas les gars. Parce que regardez, il a pas d'esprit guerrier je crois. Donc en vrai je pense que ça va être un match avec beaucoup de buts. Faudra juste bien défendre pour gagner le match, je pense. Mais vous voulez que je mette El Casito ou pas? Vous voulez que je le mette? Si vous me dites oui, je le mets en deuxième mi-temps. Le retour du casseur de jambes, attendez, vous allez voir. Je vais mettre Atlas au cas où. Oui. Ok, on mettra son esprit. La chionne. Ou chionner, je sais pas comment on dit. Ouais, ok, bon, je crois que vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud pour le retour de El Casito. On va le soulever, je pense. Oh, oh putain! Oh la puissance! Musashi! Oh, il a mis un coup d'épée. Ah oui, bon, voilà. Ça, c'est le passage que je redoutais. Là, ça va être compliqué de marquer. Pire, je le fatigue de loin. Je vous ai chaud dans le chat pour El Casito, hein. Mais je vous jure, j'ai trop... Oh mais d'accord, il utilise pas technique. Je vous jure, j'ai trop pris du temps à... Putain, je perds mes touches. À le recruter. Du coup, j'ai pu recruter pas beaucoup d'autres joueurs. Enfin, un autre qui est un joueur de son équipe. Et en vrai, j'ai remis Eugène dans l'équipe. En remplaçant. Mais je l'ai remis quand même parce qu'il est pas trop mal en vrai. Il est éclaté un peu, mais vu qu'on a que des joueurs éclatés, ça va. Ça passe, ça, tu vois. Bon, la mi-temps, les gars. Recruter Nathan Caleb avec Jack et avec les mots de passe. Putain. C'est vrai qu'il y a des mots de passe en plus, j'avais oublié ça. Alors, Njord. Bah, à la place de Victor, les gars. Allez, c'est parti. Je crois que Victor est à son esprit guerrier, mais on en a déjà deux sur le terrain, donc... Ouais, au pire, je le mets quand même, attends. Hop. Allez, c'est parti, les gars, El Casito. Il va briser des jambes, je vous le dis. Esprit guerrier, direct. T'imagines, il marque direct. Et lui, j'ai tellement galéré, je suis tellement refait de l'avoir. Même pour un épisode, je m'en bats les couilles. Ouais, d'accord, allez, cheater leur tactique à eux. Mais elle est totalement cheatée, cette tactique. Oh non.
construire une brasier, c'est trop bien. Bah, il y aura le sondage d'ailleurs demain sur mon Insta, les gars. Vous pourrez voter. Vous aurez 24 heures pour voter entre tonnerre et brasier. Et je prendrai celui qui aura le plus de votes. Allez, 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 le Cassito, le tir. Premier tir. Est-ce que c'est premier but? Oh là là, c'est trop belle cette spé, putain. Ah ouais, mais ouais, mais c'est. C'est Quentin en face aussi, hein. Deux des meilleurs joueurs du Let's Play de Striker 2013 sur le même terrain. Oh, oh merci de la passe. Le live de mercredi il est pas dispo. Si si il est dispo, il est sur Twitch les gars. Me gêne sur le terrain. J'ai déjà testé la dernière fois. Je sais pas si je le mets là. Ouais, il a mis un petit pont à El Grande. Je m'en rappelle. Petit pont, enfin, c'était. Il lui a traversé la jambe la balle. C'est pour ça que c'est le casseur de jambe pour ceux qui savent pas. Par contre, pourquoi j'ai personne là? Allez. Eh, mais ils sont trop durs à battre à cause de Quentin, eux. S'il y avait pas Quentin au goal, je les fume, hein. Ok. En vrai, la différence entre tonnerre et brasier, il y a une grosse différence quand même. La grosse différence, c'est qu'il y a un joueur dans l'équipe qui. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Dans brasier, c'est soit on aura Sol. Et dans tonnerre, c'est soit on aura Bailon. C'est chaud en vrai. Hein. Comme choix. Ah putain, hors jeu, putain. Casse les couilles cet arbitre. C'est ça vraiment la différence les gars. Moi j'ai, je sais pas, moi j'avais pris brasier quand j'étais plus petit. Arion, esprit guerrier ou pas, il s'en bat les couilles. Vas-y Victor, t'es pas hors jeu. Putain, mais placez-vous. Mais placez-vous. Ah mais toute leur vie ils vont se placer hors jeu. Moi ça il est dans la description les gars. Dans la description du live. Ah c'est serré quand même dans le chat hein. Les deux sont chauds. Après c'est pas le même poste. Sol c'est plus milieu de terrain offensif. Bailon vraiment attaquant pur. Je trouve. Alors toi je vais te soulever par contre là. Viens là. Oh, il a défoncé. Bien joué ça El Cassito. Voilà c'est ça. C'est ça qu'on veut contre Ombre Ancestrale. Ah, par contre ils abusent. Et j'ai l'impression de jouer contre un gros spammer en face. Tu sais. Allez 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 allez. Chemin de glace. Allez c'est fini. C'est plié. Premier but d'El Cassito, je l'annonce. Il est niveau 18 mais c'est sûr il marque. Il peut pas l'arrêter. Ouh attention. Je pensais qu'il avait plus pété. Putain. Je sais pas, je suis trop sous level bordel. Bon 2-0 c'est déjà bien. La personne du tonnerre j'ai recruté après. Les gars 2-0 en vrai c'est compliqué mais on va espérer mieux jouer quand même contre l'équipe de TS4. Ok. Il sera niveau combien du coup après ce match? Il vient de monter de... Putain, un niveau, il monte lentement en plus. Oh putain. C'est le joueur le plus lent en plus à monter, je crois, de l'équipe. Et le Cassito, il va être niveau... Il va être niveau quoi quand on va faire le match? Je pense, les gars, on se refait... On se refait un dernier match de chauffe et après on y go. On se fait un petit dernier match, les gars. Vous voulez qu'on affronte qui? Vous voulez qu'on affronte qui les gars? Ça peut... D'ailleurs je vais là mais ça peut être une autre équipe qui est pas ici hein. Les ogres on les a pas débloqués par contre. C'est quoi la présentation de Vladimir? La semaine pro les gars, si vraiment j'ai galéré à la faire. Je suis en train de la monter là, je suis en train de finir le montage. Mercredi prochain normalement.
Mais Bayond. Ah, l'autre, je l'ai enlevé de l'équipe, ouais. Bah, elle a pas beaucoup de techniques fortes, c'est le problème. Beyond. Va au match de Julia. Raymond FF, Raymond FF. Et on peut affronter Raymond FF aussi, hein. Vas-y, on va affronter. On affronte Raymond FF au match de Julia. À Raymond. Je les ai affrontés il y a pas longtemps. C'est, ils sont chauds, vraiment énervés, vous allez voir. Les gars, il y a moyen qu'on perde, hein, je le dis, hein. Ils sont là, je crois. Oh là là, ça va être tendu. Et là, j'ai fait des matchs en bas aussi. En hors vidéo. Mais je vous jure, pour les gagner ces matchs, j'ai dû faire la technique de la save. Quand je marquais un but, je save le truc. Et je... dans un slot. Et je repars à partir de là si je m'en prends un. Genre comme ça, à chaque fois, je recommence le match, mais pas du début. Comme ça, c'est... comme ça, on peut les battre. Parce que sinon... c'était trop dur. Vas-y, on les affronte, les gars. Ça fera un... là, ça fera un vrai bon échauffement. Ah là, je vous jure, c'est l'échauffement ultime. Hein. Ils sont niveau 70. Tricheur. Bah ouais, mais sinon, les gars, c'était compliqué. Allez, les gars. Ils ont accès... oh là là, 75, mais c'est n'importe quoi. Bonne chance. Allez, les gars, nous, on aime le challenge. Faudra juste se concentrer à mort. Échauffement ultime avant le match de TS4 là. Alors pour marquer dans mon équipe, il y a clairement que Arion qui peut le faire, mais il faudra d'abord fatiguer leur marque. Et je vous jure, il arrête Griffon, le marque en face, hein. C'est abusé, mais il arrête les tirs de Griffon. Allez, on invoque Victor, déjà on va le fatiguer. Là c'est le Cassito. Les gars, il est niveau 18. Y'a aucun espoir avec un niveau 18, hein. Oh là là, Kevin il a un esprit guerrier. Forcément il a le même que Ryoma. Allez, boîte de lance-l'eau, il a rien mais il va l'arrêter, c'est sûr. C'est sûr il va l'arrêter. Ouais ouais. Oh là là. Oh là là, mais mon dieu, lui à la cage il vaut tous les JP du monde et les Darren réunis. Quoi? Oh, il a ça. Je savais pas qu'il avait ça, il l'a jamais utilisé quand je jouais contre lui. Oh, ce chien. Oh, ce chien. Je vous jure, la dernière fois dans la vidéo, il a jamais utilisé ça. Comme de par hasard, je fais un live et il veut me ridiculiser. Vas-y, Lucien. Ah ouais, non mais ils sont vénères, frère. Allez, hop. Ça va être tendu. Wittmark et Axel, ouais, mais ils seront niveau 1, les gars, ça sert à rien. Sachant qu'on va arrêter let's play. Oh là là. Moi aussi, je veux ça. Ah merde. Arion. Voilà, il va, vous allez voir, il va me dribbler, je vais utiliser, il va rien faire. Non, ça va. J'utilise une technique. Comme ces gens, faut pas les sous-estimer. Mais moi, ils me font flipper, je te le dis. Hein. On va invoquer JP. Ok, bien ça. Oh, mais il me casse les... Et comment on a la strat piège du hors-jeu, les gars? Dans le jeu. Je sais que c'est trop utile de l'avoir, mais je l'ai pas débloqué. Oh, regardez ça. C'est amusant. Comment on l'a, du coup? Je l'ai, elle est cheatée. Ouais, elle est forte, hein. Mais je sais pas comment on l'a, c'est ça le problème. Ok. Waouh, il m'a démonté. Il m'a soulevé. Et Jack Oh, parfait ça. Ça c'est parfait pour fatiguer son esprit. J'ai terminé la voie du bas des matchs amicaux de Magic. Ouais mais les gars, on va pas tout faire aujourd'hui, hein.
Là c'est le dernier match avant, avant le, l'after game. Vas-y, encore un tir, il aura plus d'esprit. Ah putain. Du coup est-ce qu'il y en a un qui sait dans le chat, j'arrive pas à lire. Attends, faudrait que je... Est-ce que j'aurais regardé? Pour piège du hors-jeu, tu le gagnes au match de Maddy dans la partie du bas. Ah c'est pour ça. Ah mais les gars, on n'aura pas le temps. Dommage, bon tant pis, on fera ça. Regardez ça. Mais c'est abusé. Ça va être comme ça contre Zéro et l'autre équipe je crois. Oh putain, faut que je sois plus rapide. De toute façon c'est la mi-temps. Les gars, je fais rien, c'est la mi-temps. C'est chaud ce match, ouais. Clairement. C'est Tandax. Il me domine, hein. Alors les gars, la strat en deuxième mi-temps, ça va vraiment d'enlever son putain d'esprit et de bourriner avec Arion quand il aura plus rien. Donc là pour l'instant on va invoquer Ryoma. Parce que il faut fatiguer son Kevin là. Allez Ryoma. Eh ouais, il nous faudrait un Austin dans l'équipe hein. Malheureusement on n'a pas tous un Austin à portée de main. Oh Musashi contre Musashi, c'est beau. Ouh, la même puissance. Putain. Le mec il fait des lignes droites, c'est ça qui me rend fou. Il va faire une ligne droite, il va marquer, vous allez voir. Orc furieuse, orc furieuse. Putain. Mais putain. Oh yes, oh Ricardo, oh Rika. Arion. Toi soit pas hors jeu, ta mère. Ta mère. Qu'il est nul. Y'a un problème avec mes attaquants hein. Toute leur vie ils sont hors jeu je crois. Eh Arion, tu me prends la balle, c'est Jim frère. La grosse blague. Mais MDR, meilleure blague de France. Ah putain. Ah il va marquer hein. Désolé les gars, je vais pas le gagner ce match hein. Ils sont trop forts, putain. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'ils me sortent un putain d'esprit guerrier leur marque. Ah les gars, vous, en fait vous m'avez dit Raymond, mais c'était sûr que j'allais me faire défoncer hein. Là je sais même pas ce que je peux faire. Un tir de loin, je sais pas s'ils ont un truc. On va fatiguer son marque. Ils ont rien. Ok, tir de loin ça va, ça marche. Ok, il a plus son esprit, parfait. Ok, on invoque Arion les gars. Il y a moyen qu'on marque là. Par contre, s'ils me font des passes au mec avec l'esprit guerrier, je peux rien faire moi. Je peux rien faire. Bah vas-y. Spammer, la vérité, j'en ai marre. Putain. Je peux faire quoi wesh? C'est quoi ce match? Oui j'avoue, mais je peux rien faire. Alors, rien, je peux pas, il me le faut à 100% pour qu'il soit fond. Pour qu'il marque. Non, non, Todd wesh. Todd. Non mais c'est du foutage de gueule. Todd il vient de lui mettre un grand pont. Oh là là. Oh quand Todd il arrive à prendre la balle et Arion et Ryoma, le match il est fini hein.
C'est fini, tu veux faire quoi? Oh putain. Il y a Max qui vient de balayer Ricardo, mais on aura tout vu hein. Ouais, les gars, je peux rien faire, clairement. Oh là là. Prends-lui la balle pour une fois. Même les plus nuls de Rayman 1 sont meilleurs que les meilleurs de ton équipe. Mais ça a rien y comprendre. Mais je crois que c'est parce que je suis sous level. Il va marquer ou pas? Vous pensez il marque le chat? En vrai c'est moins puissant que Fulgurant double tornade de feu. Allez JP. Oh bien joué JP. Bon bah les gars on a perdu. Ouais c'était compliqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon bah au moins c'était un bon échauffement hein. Clairement ils m'ont soulevé. Mais on a affronté une équipe très puissante. Je pense qu'ils sont plus puissants que l'équipe de Tescat hein. Clairement. Bon. Et ben va falloir s'attendre à ça. Contre l'équipe de Tescat, bah putain on est pas dans la merde. Face à zéro, t'as zéro chance. Moi je dis 0,1, on va le saisir le 0,1. C'est évident, c'est vrai Rayman. Oh, j'espère que ça va pas faire comme contre les ogres, on doit recommencer 15 000 fois le match. Putain, ça serait horrible. Bon allez les gars, c'est parti. C'est parti, on y va. Je crois qu'il faut aller je crois qu'il faut aller à la route de l'eau, je crois. Ouais, Chronostone, le let's play sera en live aussi. On le fera en live. Je crois que c'est ici qu'il faut aller. Attends, quoique peut-être pas. Les pros Chronostone, Inazuma Eleven Go, dites-moi où faut aller là. Je croyais que c'était là. Je vais peut-être parler à lui. Non, faut aller à la royale. Ah, à la royale, ok. Attends, on va y aller. Tac. Royal Academy. Et je vous jure, on est plus souvent allé à la Royal Academy qu'à Rayman dans le let's play. Hein. Rayman plus royal. Ouais, mais la dernière fois, on avait été à Rayman. Il s'était passé un petit truc dans le live Twitch. Enfin, vous avez pas raté grand chose, vous inquiétez pas. Il s'est passé un truc vite fait. Toi, dégage. Il y a eu 2-3 dialogues, mais faut aller là du coup maintenant. Attendez. Peut-être sur le terrain. C'est un gars par terre. C'est long, hein. Attends, lui, je fais gaffe. Ok, c'est bon. C'est au début, le mec assis. Ah, ok. Attendez. Petite technique pour revenir plus vite au début. C'est lequel? Y a pas de mec assis là. Y a que des mecs debout. Faut qu'on trouve un mec en position fétale. Ah c'est lui, il est en PLS. Allez, on parle au seul mec de la... en PLS. Ah non, pas le bateau. Ce bateau, jamais au stade fluvial. Il ne faut pas, ne l'approchez pas plus jamais. Ne montez pas sur ce bateau, vous n'en ramènerez que des cauchemars. Ah, pardonnez-moi, je ne plus jamais. Qu'est-ce qui a bien pu le laisser dans cet état pareil? Il est traumatisé le mec. Eh ben nous vu qu'on est des gogoles, on va y aller hein. On va aller à ce bateau. Décidément, nous qu'on n'hésite pas à aller quelque part, on y va hein. Ça donne envie d'y aller de ouf, moi ça me donne trop envie. Voilà, je me disais que c'était là, j'avais le souvenir. Allez, c'est parti les gars. On commence le last chapitre. J'espère qu'il y aura des petites cinématiques, ça serait cool. Ouais, ce bateau est énorme. Vous ne croyez que c'est lui, ce dont parlait l'élève de la Royal Academy? Ne t'approche pas trop, ça pourrait être dangereux. Mais qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup? Je me sens très fatigué. Wow. Ah sauf Victor, le dernier a tombé. Il est même pas tombé. Ce beau gosse.
Je m'en fous, c'est le dernier. Embarquez-les. Ouais, là, c'est du kidnapping d'enfants quand même. C'est chaud, hein, frère. C'est un petit peu du kidnapping là. Je sais pas s'ils sont courants. Oh! Oh, les stylés. Oh putain, ça va être incroyable. Ah ouais, c'est vrai, cette musique. Putain, je l'avais oublié, elle est bien. Où suis-je? Ah, tu es réveillé. Mais vous imaginez, les gars? Quelqu'un nous a endormis et amenés ici. Mais vous imaginez, ça vous arrive dans la vraie vie? T'as un mec qui te kidnappe, tu te réveilles, tu sais pas où t'es. Enfin, ça fait flipper quand même. T'es sur une île déserte, t'imagines? La vérité, moi je vois le bateau à côté, j'apprends à conduire le bateau et je me barre de l'île. Je fais tout ce qu'il faut, mais vous. Je vous jure, je me barre de l'île. Cet endroit s'appelle le sanctuaire. Le nom inspire confiance, mais ne vous y trompez pas. Elles sont copyright les musiques? C'est sous copyright, je mettrai une musique de fond. S'il y a une première alerte, je regarderai et je mettrai une musique de fond. Tu es déjà venu ici? Oui. Le sanctuaire est une île isolée où le 5e secteur entraîne ses nouvelles recrues pour en faire des impériaux. Bon bah ça explique au moins pourquoi il n'y a aucune autre terre en vue. Eh, on a percé. On est dans un centre de formation, les gars. Je ne suis pas resté ici longtemps. On a intégré un centre alors de formation. Je sais pas grand-chose sur l'île en elle-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les entraînements suivis ici n'ont rien de normal. T'inquiète, le début de la carrière pro, les gars. C'est le début. Même après être devenus des impériaux, ceux qui se sont entraînés sur cette île ont peur d'y retourner. C'est un endroit qu'on n'oublie pas. Mais pourquoi nous a-t-on amenés dans un endroit pareil? Ah, j'en sais rien, mais on va le savoir. Ne vous en faites pas, nous sommes là, nous aussi. Oh putain, oh yes, let's go, venez. Venez dans l'équipe. El professeur Del Casito. Monsieur Frost? Mais qu'est-ce que ça signifie? Oh là 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 là, putain! Putain, si seulement il pouvait venir, si seulement il pouvait faire comme dans le film, ça serait incroyable, vraiment. S'ils ont fait comme dans le film, oh je suis refait. Oh elle vend quoi elle? Genre il y a un vendeur sur une île comme ça quoi. Arrêt immédiat, putain, elle vend des trucs de ouf. Gant premium, vas-y, on le prend. Oh, ça augmente de 83, 82. Vas-y, je l'achète. Ouais, on va équiper JP. Et les crampons premium, full vitesse, ça prend aussi. Et ça, oh, vas-y, j'en prends deux. On va les équiper à... Ryoma et à Victor. C'est pas mal. Wesh légendeur. Allop. Alors il n'y a pas un coffre. Oh, je sens que sur cette île il va y avoir des coffres. Bracelet du paradis. Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais il y a des objets de ouf hein. C'est quoi bracelet du paradis? Ça augmente la précision. Ok. Je vais mettre à Arion à la limite. Ouais, je vais mettre à Arion. Et l'autre, je le mets à Ricardo. Il est où Ricardo? Il est là. Oh non, mais il a déjà un truc de ouf. Bon, c'est bien comme ça. Ok. J'ai pas des objets soins pour les PT et PE. En vrai, c'est plus pour les esprits guerriers que j'aurais besoin d'objets soins, tu vois. Voici mes amis. Ils m'ont aidé à enquêter sur cette île. Voilà. Hein? Salut, je m'appelle Nathan Swift. Tous les élèves de Raymond sont mes amis. C'est la pire présentation que j'ai jamais vue. Ouais, pareil. Oh, moi, c'est Jack Wallside. Content de rencontrer la nouvelle équipe de Raymond. Et le frérot, mais il a toujours une voix comme ça, mais il a une voix. Jack, ça peut que être ton pote. C'est obligé. Hey, je me souviens de vous. Caleb Stonewall. Ça se voit, Jack, c'est le mec que tu peux compter. Dans les affaires des autres, mais j'imagine que je peux faire une exception. Caleb Stonewall? Mais bien sûr, vous avez joué dans l'équipe Inazuma Japon. Et il y a la vérité, il y a que Darren qu'ils ont pas reconnu. Hein.
Jack, il a un problème de cheveux. Je vous jure. On dirait un plombier, Jack, non? On dirait que vous êtes à nouveau tous réunis. J'ai l'impression de rêver. Swift, Wallside, ce sont des joueurs de la Ligue Pro. Tu crois qu'on peut leur demander un autographe? Et JP, ce chien, mais vraiment c'est un chien, parce qu'il y avait Darren, hein. Il aurait pu, hein. Mais genre il l'a pas reconnu. Pas là, là, mais c'est pas possible. Rip Darren, moi, les gars. JP, là, il veut des autographes de Nathan et Jack, mais Darren, il s'en bat les couilles. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. C'est pas cool, ça, JP. J'ai quitté l'équipe quelque temps. Pendant mon absence, j'ai entre autres enquêté sur cette île. Quand j'ai découvert cet horrible centre d'entraînement où le 5e secteur forme ses impériaux, j'ai tout de suite prévenu Marc. C'était juste après notre match contre le collège alpin, non? C'est ça. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, alors j'ai rassemblé quelques amis pour m'aider à tirer cela au clair. Je sais que c'est paillette. Et vous avez trouvé quelque chose? Oh putain. Le 5e secteur dispose de bien d'autres centres d'entraînement disséminés dans tout le Japon. Mais celui-ci, le sanctuaire, est à la fois le plus secret et le plus important. Alors les meilleurs impériaux sont formés ici. Waouh. Et JP avec sa petite voix, putain. Ils pouvaient pas lui mettre une vraie voix, non? Le problème, c'est leur méthode. Le sanctuaire est une vraie prison. Les enfants sont enfermés et forcés de suivre un entraînement intensif. Quoi? Mais c'est horrible! Tu l'as dit! On dirait un putain de plombier! Un vendeur de tacos 3 viandes! C'est pas possible! Mais Jack, franchement, il aurait. T'imagines, Jack, il serait devenu musclé et tout? Par contre, ses cheveux, c'est pas possible, vraiment. C'est une montagne, c'est une forêt, le truc, la forêt Amazonie. Je suis sûr qu'il cache des trucs dans ses cheveux. Il doit avoir de la bouffe ou un goûter. Tu sais, si jamais il en reste de faim. C'est pour ça que nous le mec qui purge dans ses cheveux, c'est un frigo. Les méthodes abjectes du 5e secteur. Ce sera la fin de cette organisation et nous pourrons libérer tous les enfants prisonniers. J'aurais préféré ne pas vous mêler à ça, mais puisque vous êtes là, vous voulez bien nous aider? Bah bien sûr. C'est vous, c'est plutôt à vous de nous aider, oui. En fait. C'est plutôt l'inverse. Alors en avant. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. Alors restez bien sur vos gardes. Et moi, Jack, je vous jure, quand je vois ses cheveux, j'ai envie de prendre un briquet et de les allumer. Hein. Juste pour voir ce que ça fait. Alors, du coup, on va à gauche. Un petit coffre? Non. Ok, dommage. Allez, c'est parti, les gars. On sauvegarde. Là, je sens que ça va péter, donc on sauvegarde direct. Jack, quoi faire prochainement sur Netflix? Alors, oula, il y a des défis. Bon, vas-y, on les fait, ça fera un petit échauffement. On va voir s'ils sont chauds sur l'île. Wow, ils ont l'air. Oh putain, vous avez vu leur nom? Je sens qu'ils ont des esprits guerriers. Allez, hop, voilà, t'as pas le temps. Pas le temps d'utiliser ton esprit guerrier. Jack, c'est toujours pas si c'est un casque ou des cheveux qu'il a. Tu vas être en PLS dans les défis, putain. En vrai, non, ça va. C'est dedans. 170 XP les défis, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, hein, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Y'a quoi à droite? Oh! Oh oh! Un truc de ouf là. Pourquoi on peut pas y aller? Ah putain, je pensais qu'il y avait un truc. Là y'a rien là? Non y'a rien. Non y'a rien. Ok. Moi les gars, faut que j'aille voir un peu de partout moi, dans un jeu. Contre au côté de Tescat. C'est où tu vas suer? Non. Sinon le live il durerait pas 2h30, il durerait 5h voire 6h. J'ai une question dans la lumière, quand Arion fait ses rêves par rapport à Tescat, est-ce que il rêve toujours de lui ou bien il rêve de Balon? Non, toujours de. Oh! Allez hop! Enchaînement. Il rêve toujours de Tescat, hein.
Il y a un joueur qui a Pendragon, putain. Mais vous inquiétez pas, dans Chronostone vraiment on aura une meilleure équipe que ça. Parce que là vraiment j'ai pas réussi à recruter. Donc Chronostone, je vais essayer vraiment de prendre le temps pour avoir oh on a eu un objet qu'on ait une belle équipe. De toute façon on aura une belle équipe parce qu'il y aura des joueurs qu'on va avoir automatiquement dans l'histoire qui seront forts. Donc ça c'est cool. Alors que là dans l'histoire on en a eu quelques-uns. On a eu Ryoma, on a eu Aitor. Mais à part eux deux on n'a pas eu grand monde. Récupérer le ballon. Oh ça va, c'est cadeau ça. Ils sont nuls. Ils sont nuls à chier sur cette île. Thé obscur. On a eu la boisson de T4 je crois. Oh putain, il y a un coffre. Pas besoin de rentrer dans Crossbone, ils sont forts. Bah en vrai un ou deux joueurs genre Vladimir. J'aimerais bien recruter Vladimir. Peut-être un ou deux adversaires qu'on va affronter aussi. Merde, 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 merde. Et Thor, vas-y, monte. Monte, monte, monte. Tu fais le malin en match, tu danses. Eh, mais t'inquiète pas. Mais j'avoue, tout à l'heure, j'ai dansé. Je fais la Macarena tout à l'heure dans le match. Vladimir, il faut le wifi. Ah merde. Bah peut-être qu'il y aura un moyen. Oh, il y aura Mechamark. D'ailleurs, il y a un mot de passe pour l'avoir qui a été trouvé il y a pas longtemps. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent. Donc peut-être qu'on l'aura aussi. Hein. Gant de la gloire. Oh, c'est quoi ça? Je veux voir. Moi, je vois tout. Je veux tout voir. C'est quoi? Oh putain, encore plus fort que... Ah non, ils ont un peu moins bon. Bon, on les met à Samgook. Samgook, c'est le deuxième gardien. Il prend ce qui reste. On lui redonne tout ce qui reste, quoi. Par contre, il est plus chaud que JP en interception. Hein. Ah oui, il a 211. JP, il en a 165. Ouais, la prouesse maillot à gogo, c'est galère. Ah, mais ça, c'est trop dur, les gars. On pourra jamais le faire, ça. Y a un truc, un coffre là-haut. Danse de l'air, oh pas mal. Ah c'est loin hein. Vas-y je le fais. Ça fait pas mal d'échauffement là. On sera bien chaud je pense. Ouais, je suis depuis tes 567 abonnés. Putain frérot, t'es un ancien. Ça date de... ça date des réactions de Orion ça. Et mes vidéos avant c'était vraiment de la merde par contre. Oh crampons. Oh j'ai eu des crampons de fou je crois. Je crois que j'ai eu de la chance. On va les mettre à Victor. Oh lolo. Oh lolo lolo. Mais ils ont des crampons abusés l'ombre ancestral oh. 72 de frappe. Oh, je le mets direct à Victor hein. Et du coup Arion je vais lui mettre celle de Victor avant. Ouais il m'a donné 72 de frappe gros. Les crampons ombre. Oh c'est incroyable. J'ai un truc de ouf. La chance. Non pas besoin de chance pour nous. Vas-y viens là toi. Ah c'est incroyable les crampons qu'on a eu. On a eu des crampons Nike. On avait des Kipsta avant. Ça y est. Par contre les crampons Raymond ils les ont pas respectés. Les crampons des autres équipes ils sont forts. Mais les crampons de Raymond c'est les plus pourris du jeu tu sais. Oh là là il peut plus rien faire. Et ouais ma gueule. Crampons ombre on t'a dit. Crampons Nike. Mercurial. Tu peux faire quoi mec. 59 victoires, parfait. Les gars, vous savez quand il y a ça là. Quand il y a ça, vous savez là ce que ça veut dire. Ça veut dire on se soigne et on sauvegarde parce qu'il va y avoir le match. Oh, une photo. Oh là là, ça va être tendu.
Et merci beaucoup pour les 189 gemmes. Si on peut arriver aux 200 likes pendant le match, ça serait cool. Oh, vous êtes 480 les gars, putain, vous gérez. Oh, vous me régalez pour ce dernier épisode, les gars, on est nombreux. Hein. C'est parti. Voilà, là, il y a de l'intensité, de la dramaturgie. Soyez les bienvenus sur les terres sacrées du sanctuaire. Lui, c'est mèche de cheveux. Non, t'es mèche de cheveux, gros. Comment il fait pour se coiffer? Dans l'anime, il se coiffe comme ça, je crois. Genre, il prend ses cheveux, vraiment, il les met dans ses mains. Il prend le gros pot de gel Viveldops, il fait que ça sent béton. Il le met comme ça et ça reste. Joueur de Raymon, vous allez avoir l'honneur de servir la cause du 5e secteur en participant à un entraînement spécial. Servir la cause du 5e secteur? Vous rêvez? Nous sommes au courant de ce que vous faites ici. Relâchez les enfants immédiatement. Appelle la police, putain, au bout d'un moment. Marc, il est con. Vous sentez la musique? Mais appelez la police en ce moment-là, ou j'en sais rien. L'armée aussi. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la puissance ultime. La puissance sans limite. La puissance absolue. Oh là là. Un tel vacarme dans notre forêt, joueur de Raymon. Et tu sais, carrément, il va coller. Il vient de rencontrer son crush virtuel dans la vraie vie. Nous sommes l'ombre ancestrale. Nous sommes la trame des nuits les plus sombres. Wow, on dirait il a consommé Tescat avant. Tescat, qu'est-ce que tu fais là? C'est le 5e secteur qui t'a forcé à venir ici? Non, je suis ici de mon plein gré. Vous pensez on aura la scène de la chèvre ou pas? Pas toi. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit? Si tu n'es pas assez fort, tu ne vaux rien. C'est pour ça que j'ai rejoint cette équipe. Tescat. Toujours idée ça, lui. Hein. Que devons-nous faire? Si c'est un match qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Vous êtes prêts? Bien sûr. Le 5e secteur ne va pas s'en sortir comme ça. Mode Ligue des Champions, Ligue des Coupes du Monde, tout ce que tu veux, mec. Mais là, on rigole plus du tout, du tout, du tout. Allez, le chat, c'est le moment de gagner. C'est le moment de sortir un gros match. Et c'est le moment de pisser, parce que j'ai envie de pisser, les gars. J'ai trop envie de pisser. Bonjour, avant les moments fatidiques, j'ai trop envie de pisser. Les gars, je vous laisse là. J'arrive dans 30 petites secondes. Je vais juste pisser, les gars. J'ai trop envie, c'est abusé. Abusé. La voix de Tescat est massacrée. Un peu en fait, en vrai ça va. Mais même en VF elle est massacrée. Je préfère en VO pour le coup. Même si la VF Niazuma elle est vraiment bien. Bref, les gars, c'est parti pour le match. Il était trop bien mon pipi, franchement ça fait trop du bien. C'était, putain ça soulage wesh. Mais par contre, vraie anecdote les gars, une fois, avant de, pendant un match de foot à l'époque, et ben j'avais tellement envie de pisser. Je vous jure, la vie de moi, j'ai demandé à mon entraîneur de faire un changement juste pour aller pisser. Je lui ai demandé de sortir du terrain. Je suis sorti du terrain et juste pour aller pisser. Alors bien sûr j'étais pas au goal hein. J'étais en joueur, parce que si j'étais au goal ouais, ça aurait été autre chose. Je sais pas comment j'aurais fait d'ailleurs.
Parce qu'après, je suis devenu gardien, les gars, j'avais déjà expliqué. Mais au début, je jouais joueur. Tu es Jack. J'avoue. Prêt à affronter l'ombre ancestrale. Le pire, c'est que c'était vers le début du match. Hein. Ça faisait 10 minutes que le match il avait commencé. Oh, allez, c'est parti. C'est parti, les gars. Sans la force n'est d'aucune valeur. Vous allez bientôt vous en rendre compte. Ok, bah vas-y, on va s'en rendre compte peut-être. Oh, niveau 60. 10 niveaux d'écart. C'est chaud, mais c'est faisable. Pas de cinématique. Oh non, je suis déçu. J'espère qu'elle est pas copyright, les gars. De toute façon, je reçois une alerte, gros. Je mets une playlist sur YouTube, j'ai déjà prévu. Pour l'instant, ça va. Allez, c'est parti. Faites vos paris dans le chat. Je veux voir des petits paris là. Il y en a qui dit tu vas perdre. Vous pensez que je gagne ou pas? Est-ce que vous pensez que je gagne là, avant le match? Wouah, niveau 65. Mais pourquoi c'est marqué 60 le niveau d'équipe? C'est du fake. Ils sont 65. Non, tu gagnes. Fais attention à Goat. Tu gagnes 2-1 pour Rems. Tu as gagné 3-2. Ok les gars, je crois qu'il y a plus de gens qui pensent que je vais gagner, je crois. Allez. Oh, y a pas cinématique, ça va. Y a pas de truc scripté. Est-ce que ça va être un vrai match pour une fois? Je commence direct avec Lancelot. Ok. Oh putain. Allez, Lancelot, le premier tir, Lancelot. Oula, ah, c'est leur goal. Oh, c'est leur goal, putain. Putain, je croyais qu'il en avait pas. Je croyais qu'il en avait pas. Oula la merde. Ça c'était pas prévu, j'avoue. Ça c'était putain de pas prévu, ça. Il a un esprit guerrier, non. Oh putain. Bordel. Oh merde. Non. Oh là 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 là. Faut Arion, ouais, je vais tenter avec Arion. On va invoquer JP là, vite. JP, allez, hop. Oh, il rigole, zéro hein. C'est dur de passer, ouais. Putain, je pensais pas. Oh là 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 là, il joue bien en passe. Oh là là, c'est le Barça ou quoi là? Oh. Ils sont forts, putain, ils sont forts. Oh là là, ça va être une horreur. Non, je redonne la base, la balle. Putain, où je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Qu'est-ce que je fais? Torpille terrestre. Danse de l'ombre. Oh là, putain. Tu gagnes, tu donnes 50 euros. Mais arrêtez de faire, les gars, vous tenez jamais vos paris. Oh là là, bordel. Mais ils veulent me niquer, eux. Mais il y a hors-jeu. Il y a 20 fois hors-jeu. Il y a 50 fois hors-jeu. Et l'ordinateur, il sait, mais il est en mode débutant d'habitude, comparé à là. Hein. Il est pas aussi fort que ça, hein. Allez, Mickaël. Bon, là, c'est juste pour le fatiguer, les gars. Clairement. Côté le toit, il y a eu un teaser. Mais non. Allez, hop, t'es mort. Toi, deuxième mi-temps, mon gars. Je vais te faire l'amour. Putain, mais arrêtez de jouer sur les mecs qui ont des esprits guerriers. Ça me dégoûte. Oh là là, je récupère pas une balle. Bien ça. Allez, il a plus d'esprit guerrier. Allez, esprit guerrier, ça dégage. Deuxième mi-temps, il est mort. Non. Ah non, c'est quoi?
Ah mais il est hors jeu. Non je peux pas les gars, il est hors jeu. Allez hop, t'as pu détruire mon gars. T'es foutu. C'est chaud hein, la vérité, putain. Et s'il marque un but scripté, mais je suis mort. Ah mais je suis terminé. L'attaque n'est pas leur meilleur atout, mais j'utilise la stratégie de leurs adversaires à leur avantage. C'est comme s'ils incarnaient une sorte d'énergie négative. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on s'approche de leur but, ils ont un temps d'avance. Ils parviennent à intercepter la balle à n'importe quel moment. C'est comme s'ils anticipaient le moindre de nos mouvements. Cette plaisanterie assez durée, finit son temps. Non, non, non. Sois gentil. Fais rien, Tescat, s'il te plaît. Rien, mais genre vraiment rien. Le néant. Oh non. Oh non, c'est ça que je redoutais. Mais comment je vais le flinguer, lui? Comment tu veux que je le nique? Oh non. Il va faire une ligne droite, il va marquer, vous allez voir. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Il va faire une ligne droite. Ça dégoûte. Il a pas de talent. Ou alors je bloque son tir à deux. Vas-y, c'est quoi? Je vais tenter de bloquer son tir à deux. Oh là là. Restez là, restez là. Reste là, reste là. Allez hop, toi ton tir mon gars, tu vas voir toute ma défense dans la gueule, tu vas rien comprendre. Mais des blocages à chaque fois. Là c'est pas possible, il peut pas passer. C'est impossible. J'ai double blocage. Filet de chasse. Tire affaibli. Allez JP, là il peut là. Là c'est bon. Mais il est nul. Mais t'es la pire escroquerie du jeu. Mais je te mets tout. Je te mets Thiago Torres devant toi, t'es nul. Putain. Ah mais oh mais là, mais c'est plus qu'une escroquerie, une escroquerie le mec. Mais je mets toute la défense de la terre devant lui. Oh il est nul, il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul ce goal. Bon Arion mon gars là. Normalement le goal je suis censé lui marquer des buts là. Mais avec trois gardiens ça passe. En même temps c'est une des meilleures techniques du jeu je pense. Donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour l'arrêter. Faudrait limite que je fasse un plan anti-Tescat pour pas qu'il tire. T'es nul mais putain. Mais toi en face de la balle. Mais ils sont trop forts. C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau d'équipe? Mais c'est hors du commun. C'est irréaliste. C'est du jamais vu. La vie de moi, c'est du jamais vu. Mon équipe elle a clairement pas le niveau. Oh mais quelle bande de merde. J'ai rien. Putain. Si j'ai une tactique j'en ai pas. J'ai pas de tactique défensive les gars. Vous marquez deuxième. Wow. Bon. J'ai été surpris par leur niveau. Très clairement. Putain, bah prochain match les gars, je vous jure ça va pas se passer pareil. Ah ils m'ont vraiment surpris. En fait c'est l'Alliance de Dragons leur équipe, ils ont 20 000 esprits guerriers aussi. J'ai des débutants sur le terrain, mais c'est pas possible d'avoir des débutants à ce point là quoi.
Arion, Arion, Arion. Deux avec Victor. Arion, bien joué. Victor, mais... Ok. Là, il peut pas l'arrêter. Là, il peut pas l'arrêter. Putain, je me suis pris deux buts, c'est trop. J'aurais pas le temps. Il l'arrête pas, là. Putain, c'est trop tard. C'est trop tard, les gars. Continuons comme ça. J'ai le temps ou pas là? Sérieux? J'ai pas le temps. Jamais de ma vie j'ai le temps. Tire de loin. Mais non, il va l'arrêter. Il a encore dépété les gars. Putain. Putain, j'ai pas le temps. Oh là 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 là, oh là là là, je veux ma revanche. Je veux ma revanche, putain. Mais tactique, j'en ai pas, les gars. Je n'ai zéro tactique défensive. Et tirer de loin, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. À part quand il a son esprit guerrier pour le fatiguer à ce moment-là, oui. Putain, mais c'est quoi cette équipe? Je pensais que l'orgueil, il avait rien, moi. Je pensais qu'il était rainé, éclaté. Ah mon dieu. Ouais, bug, mais putain. C'est bon les gars ou pas? Je crois qu'il s'est reconnecté, ouais il y a eu un bug, désolé. Je crois qu'il a pas aimé. Il a pas aimé que je perde ce match. Vous connaissez YouTube, des fois il y a des petits bugs. C'est revenu, ouais non, là c'est bon. Ok, bon là je viens de lancer le match. De toute façon, vous avez rien raté. Ouais c'est bon, ok. Allez c'est parti les gars, cette fois-ci on gagne. Je vais aborder le match autrement. Je vais aborder le match autrement. Alors clairement il marque limite à tous les coups en face. Si on le perd là, on ira on s'entraîner un peu. Si on le perd là. Putain, j'aurais dû plus m'entraîner la vérité. Je dis toujours ça mais je le fais jamais. Ah il va invoquer son esprit guerrier. Oh non. Oh oh oh. Allez. Allez. Allez peut-être. Victor. El Goleador. Crampon Nike Mercurial. Oh. Non il peut pas l'arrêter. Let's go Victor. Let's go. On a réussi. C'est ça les gars, faut commencer le match comme ça. C'est ça une entame Ligue des Champions. Match retour mon gars. Ils sont pas prêts pour le match retour. Ce que je vais leur mettre. Vas-y invoque tes scats, invoque qui tu veux. Vas-y. Vas-y 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 invoque le. Je vais flinguer ton T4 mec. J'invoque JP les gars. JP il peut arrêter quelques tirs. On sait jamais s'il y a un random qui tire. Il, au moins en Atlas il peut arrêter des tirs. Alors que Griffon c'est totalement inutile de le mettre. Je vous garantis. Ça sacrifie 3 esprits guerriers, ça sert à rien. Faites-moi confiance, je vous le dis plus sur ce match. Ah ça va être compliqué de lui prendre la balle. Il va tirer. Il va tirer dans tous les cas. Il va tirer ce random. Ok, vas-y, tire. Je pense que je l'arrête. Honnêtement, je pense que je l'arrête, les gars. Ils vont marquer. Je pense que je l'arrête, main magique. Voilà, voilà, JP. Vas-y, 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 vas-y. Continue. Continue, mon pote. Par contre nous j'ai remarqué on a un temps de régénération des esprits. Lui il en a pas par contre hein. C'est illimité chez lui.
Peter, non, pas d'enjeu. Let's go, pas d'enjeu. Elle passe parfaitement. Et c'est le 2-0. C'est peut-être le 2-0, les gars. Ça bug ou pas, le chat? Je regarde. Je crois pas que ça bug, hein. Je crois que c'est le 2-0, les gars. Victor, El Monstro. El Monstro, putain. Il a pas invoqué le gardien, marque avec Victor. C'est ce que je fais, les gars. Putain, on va le gagner, ce match. Laisse tomber, on va le gagner, moi, je te le dis. Le 5-0, les gars. Gagner, c'est déjà bien. Arion, on invoque aussi. Merci pour la vague du GG, ça fait trop plaisir. TS4, faut le flinguer. C'est le seul qui peut marquer en face, je vais l'éclater. On va tout lui mettre dans la gueule. Tout ce qu'on a. Vas-y, fatigue-toi. Ça, tu pourras plus utiliser ta sentence. Vas-y, viens là, viens là. Archipégas vs Fléau Obscur. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Bye bye, TS4. Je l'ai pas du tout abordé de la même manière, hein, le match. Hein. Oh, ils font quoi encore là? Oh, ils en ont 20 milliards, gros. Lui, il est dangereux aussi parce qu'il a une technique de tir. Putain. La mi-temps là, non? Il me faut la mi-temps là, les gars. Oh non, faut pas qu'il tire lui. Non. Non! Tactique spéciale, vas-y, fatiguez-vous. Pas de but avant la mi-temps, hein, tout ce qu'on demande. Yes, yes, c'est bon, il y a la mi-temps là. C'est tendu. C'est fini là. Ouais. Bon, mi-temps les gars, 2-0, on a une belle avance. Faut pas que je fasse comme la première mi-temps du match d'avant. Ok, ça va, on a une belle avance. Tu peux pas arrêter un tir, n'essaye pas de l'arrêter. Ah, c'est qui disait ça? C'était pas Marc qui disait ça? C'est vieux conseil éclaté. Frère, dis-nous tout de suite la solution au lieu de faire tes énigmes. On est lent, on est lent, on est lent, on est lent. Ça, c'est leur tactique, ça. Les gars, tactique spéciale. Elle jumelle. Nous aussi. Ah non, on n'a pas. Bah, tourner ultime alors. Ou tir balistique. J'ai tiré en panique un peu. Non, c'est David. Ah, c'est David qui disait ça. Il l'arrête, je pense. Comme de par hasard, c'est Michael. Allez, ça, ça dégage. Normalement là c'est le troisième but les gars. Non. Trop cheaté ça. Trop cheaté. Bien Victor. Il a plus de... Attends, Arion. Let's go les gars. On est en train de les soulever. On est en train de les soulever. Allez, ça rentre. Oh là 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 là. Maynard, on va le mettre. On a de l'avance, on peut le faire rentrer. Continuons comme ça. Allez, mon gars. Putain, nickel, nickel ce match. On est en train de se venger là. Voilà, ça c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. El Casito, l'entrée du numéro 10. Enfin, non, c'est Victor, du coup, du numéro 9. Ok, on a plus d'esprit. J'ai invoqué Shion. Il est où Shion? Juste pour le fun. Oh non, TS4, il a anticipé. Il a analysé mes mouvements.
Il a analysé mes mouvements, ce chien. Il a fait sa technique à l'énergie négative. Voilà, y a moyen que... Y a moyen que ça marque en face, là. Ah non, mais il fait des lignes droites, ça y est. Il voit que ça passe, il fait des lignes droites. C'est quoi ça? Toujours la même strat, hein, ce chien d'ordi. Tu veux que je fasse quoi? Allez, Thor, bloque-moi ça, filet de chasse. Putain. Bon, normalement, JP, tu l'arrêtes. Ouais, ouais, ils l'ont oublié après Dango et Cassito, c'est dommage. Bien, JP, putain, il me fait un match, mon gars. Vas-y, mais invoque qui tu veux, tu peux plus rien faire. Il me fait un match, mon gars, JP. Meilleur goal de France. El Cassito. Arion plutôt. Arion, c'est bien. Arion. Ah merde, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, voler, on va voir ce que ça fait. Ouais, ma défense, elle récupère aucun ballon, je te jure. Ça va être un problème contre zéro, ça. Hein. Oh là là. Et zéro, je sais pas comment on va faire. Hein. Va falloir être ultra méga concentré, je pense. Bon bah les gars, petit 3-0 des familles. Le deuxième match, vraiment, on l'a mieux géré que le premier. Ça m'a fait plaisir les gars. Vous pouvez pas faire... Qu'est-ce qu'on expliquerait avant? Je sais pas de quoi tu parles. Putain, ça fait vraiment plaisir. 3-0 comme ça, on s'est vengé, mais clair et net. Hein. C'était beaucoup plus serré que le match d'avant, vraiment, même dans le jeu. Donc en vrai, on a vraiment mieux joué. Oh, les crampons, parfait, les maillots. Oh là là, crampons, ça va encore équiper un joueur. Ça va faire du sale avec. Ombre ancestrale, hein. Ils sont pas si balèzes que ça, finalement. Oh, fais pas le fou, toi. Ils n'ont pas exploité toute leur puissance. Peut-être. J'ai apprécié de jouer contre toi, Arion. Mais tu es encore trop faible. La véritable force, la puissance ultime va bien au-delà de ce que tu imagines. Non mais d'accord. J'espère que nous nous rencontrerons à nouveau. Mais gros, on t'a battu 3-0. Et le mec, il dit qu'on est faible. La véritable force, la puissance ultime. Vous pensez que ça veut dire qu'il y a une équipe encore plus forte que celle-là? La vérité... Jack, il est trop chaud, hein. C'est possible. Il comprend vite, hein. Quoi qu'il en soit, ça ne sert à rien de rester ici. Allons-nous-en. Putain, s'il y a la cinématique que je pense avec les anciens, ça serait ouf. Tout se passe comme prévu. Raymond est le catalyseur qu'il nous manquait pour obtenir la véritable puissance absolue. Mais ils sont encore trop faibles pour servir nos ambitions. Nous devons affûter leurs capacités jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Putain, mais c'est quoi? Mais ils ont un problème pour finir les phrases. Qu'ils soient prêts, je sais pas quoi, oh. Et alors notre plus grand désir deviendra... Les doubleurs, ils ont un problème. Zéro, l'équipe ultime. Vous avez vu? L'équipe ultime. Sois prêt. Bien, c'est là que nous nous séparons. Ne vous en faites pas pour nous. Je crois que nous allons rester ici encore un bout de temps. Je pense que quelque chose nous échappe. Comme si la véritable raison d'être de cette île restait encore à découvrir. Bonne chance, les amis. Et soyez prudents. Oh non, il va partir. Faites de votre mieux pour la finale, ok? Vous pouvez les battre. On a déjà gagné, frère. La réussite de la révolution dépend de vous. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Ah, mais ils ont vraiment fait fidèle au film, du coup. Ça veut Merci dire... Merci à tous de votre aide. Ça va bien se passer. Parce que normalement, dans le film, ça se passe avant la finale. Et du coup, vu que c'est dans le jeu, c'est l'after game, ça se passe après. Mais ils ont remis les dialogues... Putain, ils m'ont remis là, ces chiens. Bon bah, les gars, attendez. Normalement, je crois qu'on a l'équipe. On va vérifier. Je sauvegarde. Je sais pas si j'ai le niveau. Ça va être vraiment tendu. Hein. Je vais mettre l'équipement qu'on a eu aussi. Je vais le mettre à...
J'espère il a pas d'esprit guerrier le gardien de zéro hein. Je vais le mettre à Rayon. Attends, j'espère vraiment il a pas un esprit. Tu peux pas affronter zéro, faut les deux versions. Mais je crois que c'est possible, attendez, je vais vous montrer. On va voir, attendez. Attends, hop. On va retourner. On va aller tout en haut. On va aller tout en haut. Et s'il a un esprit, il a un esprit en plus. Ah, ça va être tendu alors. Va falloir qu'on se mette en mode comme contre les ogres alors. Ça va être tendu. Mais on va voir déjà s'ils y sont. Attendez, on essaye les gars. Non, toi dégage. Bon, on va les faire les défis. Comme ça, ça nous fait XP parce que... Il y avait un abonné qui m'avait envoyé un truc pour essayer de le faire. Putain, le défi le plus rapide que j'ai fait de ma vie. Donc c'est peut-être pour ça que ça va marcher. En gros, il fallait que j'aille sur un serveur et que je fasse une connexion. J'ai essayé de le faire. On va voir si ça marche les gars. On va voir les gars si ça a marché le petit tuto que j'ai eu. Que j'ai essayé. Ils sont niveau combien juste pour info? Ils sont vraiment au-dessus en termes de niveau ou c'est à peu près pareil? En termes de niveau d'équipe. Continuons comme ça. Ok, putain c'est chaud 65. 80 ou 80 ou 70. Ah mais ça change là. Là c'est même plus chaud, c'est abusé là. 70 putain. Ça veut dire comme les Raymond on s'est fait poutrer tout à l'heure. Vous vous rappelez ou pas? On a rien pu faire. Ça veut dire ils sont du même niveau. Mais avec des joueurs peut-être encore plus forts. Putain. Attends lui je vais l'affronter. Voilà, un petit échauffement encore. Ouais. Ça va être tendu les gars. Pourtant j'ai amélioré mes techniques. Mais les techniques ça passe même pas. Plus grande double terre de feu, je peux la faire 20 000 fois. Mais contre son esprit grec ça passera jamais. Quoi? Hein? Quoi? Quoi ce random il a arrêté la... Mais ce jeu, mais laisse tomber, bon, on est des nuls. Attends, quoi? Mais je comprends rien, frère, mais c'est pas possible, c'est des randoms. Notre équipe, elle est tellement si nulle que ça. Eux, ils sont hyper forts. Putain, mais si même eux, ils nous battent, quoi. Obscur, ça on avait compris. Alors bon bah le dernier petit défi les gars. Soit il est pas le chat, soit il en a rien à faire de nos coms. Mais si si je lis le chat les gars. Et je vous jure j'essaye de lire mais faire jouer en même temps et lire c'est pas facile. En plus vous êtes nombreux à parler donc si je vois pas un message en particulier je suis désolé. C'est qu'il est sur émulateur en vrai peut-être. Mais je vous dis c'est pour ça que ça va peut-être marcher. Je joue pas sur une DS classique. Mais je n'y crois pas. Bon on verra hein. Et non les gars, je peux pas skipper ces vieux matchs, c'est vraiment l'entraînement, faut pas négliger ça, vous voulez que je me fasse défoncer ou quoi? Attends, si on va avoir une chance de gagner, il faut un minimum s'entraîner avant. Quand je vois que Aitor est niveau 48, il va se taper contre des niveaux 70, je me dis, il y a un problème. Autant qu'il soit niveau 49 avant le match, tu vois, même si ça change pas grand-chose. Voilà les derniers les gars.
marquer un but. On va faire tirer Ryoma. Ouais, le problème c'est que Bailong il va poutrer JP. C'est ça le problème. Bailong T4, je sais vraiment pas comment les contrer, les gars. Ils vont faire des lignes droites, ils vont marquer tous les buts, je pense. Pas mal, hein. Ok, Ryoma, voilà, Ryoma a pris un niveau. Peut-être que ça va changer le match. Peut-être que ça va être lui le sauveur, on sait pas. Alors, on se soigne, les gars. Il y avait un truc en bas, on y retourne. Et après, on monte en haut pour voir. Allez, c'est parti. Bien sûr, je pense que je vais sauvegarder avant. Là, je sauvegarde ici. Niveau d'équipe, 52. Ça peut passer, je pense. Hein. Wow, c'est incroyable comme c'est beau. Ah, merde. Ok. Bah, les gars, je vais essayer de le refaire en live, le tuto. Bah, je vais essayer de le faire en live, ce qu'il m'a dit de faire. On va voir si ça marche. Du coup, je vais aller... Attendez. Je redémarre le jeu. Et je tente le tuto. Faut que j'aille dans un salon spécial, je crois. Attendez, toc. Je vais tenter, hein, les gars. On va aller dans multi et plus. Tac. Je vais aller dans... Tac. On va voir si ça marche. Ok, c'est bon, les gars. Je suis dans le salon, je crois. Je crois que je suis dans le salon. Ok, on va tester le secret. Allez, on teste, les gars. Faut croiser les doigts que ça marche. Est-ce que ça va marcher, putain? Putain, j'aimerais trop que ça marche, putain. Alors. Les gars, m'en voulez pas si ça marche pas. Hein. Je pense qu'il y a, il y a 50% de chance. Allez là, ça prend 20 plombes. Attends, essaye de téléchargement ou secret, un des deux. C'est dans secret, je crois. C'est lent, ouais, de ouf. C'est normal que ça soit si lent. Ah ouais, mais là c'est même plus lent, c'est... Non, ça marche pas. Y'a pas un des hacks pour ça, non? Je sais pas du tout. Au pire, si on l'a pas, on affrontera les crocs du nord, les gars. Putain, mais ça me fout le démon par contre. Attendez, on va... Il s'est rien passé. C'est dans secret, hein, c'est pas dans téléchargement. Hein. Non, c'est pas là. Je suis sûr que c'est dans secret. Je pense que c'est pas normal. Ouais. Attendez. On va réessayer le... Pourtant, je suis dans le bon salon. Hein. Ouais, je suis dans le bon salon. Ça me met connecté. Attends, je vais retenter. Tu sais quoi, je vais carrément couper l'émulateur. Je quitte l'émulateur, je le relance, les gars. On voit si ça marche. On tente une ultime tentative. Putain, je pensais vraiment que ça allait marcher, c'est dommage. Hein. Bon, le logiciel fait une mise à jour, je la fais. Mettre à jour, hop, comme ça on le fait. Peut-être que ça vient de ça. Je mets la mise à jour, les gars. Putain, j'aimerais trop ça marche. J'aimerais trop affronter l'équipe ultime. L'équipe ultime de ma vie, putain. Nous, on veut affronter les meilleures équipes de tous les jeux. Ok, terminé. Normalement, hop, je relance l'émulateur. J'aimerais trop que ça marche. Alors, je remets le nom du salon, comme ça je rentre dedans. Voilà, ok, c'est bon, je suis dans le salon. Maintenant, on charge le fichier et on reteste, les gars. Ouais, je suis sur Citra. Oui, je suis dans les paramètres de Citra là, je suis en train de tester, les gars.
Arthur, s'il l'invoque, t'es mort. Ouais, clairement. Alors, du coup, c'est dans Multi et Plus. Il faut aller dans Secret, il me semble. Allez, là. Connectez-vous à un joueur ayant Inazuma Eleven Go Lumière. Après, tous deux avoir battu une certaine équipe exclusive à votre version, vous recevrez une petite surprise. Normalement, avec le tuto que j'ai là, l'espèce de glitch, ça devrait marcher. Il n'y a pas besoin d'avoir un mec qui a fait Lumière à 100%. Allez, là. Ouais, c'est chiant. Ou faut avoir un frère, tu vois, un truc comme ça. Faut avoir quelqu'un qui a le jeu. T'as battu Lumière Éternelle? Non, non, je les ai pas battus. J'ai essayé avec... mais il aurait fallu que je fasse tout le Let's Play Go sur un autre émulateur, que je le fasse à 100% hors live. Ah, j'aurais pas eu le courage, les gars. Et puis même ça, je sais même pas sûr si ça aurait marché, parce que ça se fait par connexion sans fil. Je sais pas si ça marche via deux émulateurs. Putain, ça a pas marché. Oh, ça me dégoûte. J'ai trop le seum. Ma vie est un échec. Faut battre la last équipe avant le secret. Normalement, ça devrait marcher, hein. Bon, les gars, je sais ce qu'on va faire. Je testerai très clairement ce qu'on va faire. Alors là, du coup, ça a l'air de pas marcher. Du coup, ce qu'on va faire, on va attendre deux secondes, mais ça sert à rien de forcer, je pense. On va retourner sur le jeu. On va monter en haut. Juste une dernière fois. Pour voir si ce que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce serait beaucoup trop dangereux. Ouais, tapette. Du coup, on va redescendre. On va affronter l'équipe de glace. Parce qu'apparemment, peut-être qu'on peut l'avoir en affrontant l'équipe de glace, qui est je sais pas où. Si, en affrontant l'équipe de glace, on débloque 0, bah, on continuera avec 0. Si on débloque pas 0, ça sera la fin pour le let's play sur YouTube aujourd'hui. Je suis désolé, j'aurais tenté. Mais sinon, j'essaierai hors vidéo avec les abonnés de débloquer l'équipe 0 pour justement peut-être faire un live ultime sur Twitch où on pourra les affronter. Mais là, je vous avoue, les gars, c'était pas prévu. Je savais que ça allait être compliqué de les débloquer. J'avais espoir 50% de chance. Malheureusement, ça n'a pas marché. On débloque pas 0 comme ça. Bon bah les gars, je sais pas, on verra. On va tester en tout cas. Mais dommage. Je pensais vraiment que ça allait marcher, tu vois. L'abonné, il avait l'air sûr de lui et tout. Il m'a dit, ça va sûrement marcher. Dommage. Ok. Bon bah les gars, on retourne du coup. Il est où le match de l'équipe glace? Le stade du collège alpin. Ah les gars, c'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème de pas déjouer Inazuma, tu vois. C'est dommage, tu peux pas affronter toutes les équipes. Sur Go, je crois, il y aura l'aftergame est beaucoup plus conséquent sur Chronostone. Je suis vraiment désolé, les gars. Peut-être je me serais fait poutrer, on sait pas en vrai. On le saura peut-être jamais, hein. On saurait peut-être jamais qui aurait gagné, qui aurait perdu entre Zéro et mon équipe. Ouais, je suis presque à la fin du jeu là. Vous pensez on aurait gagné ou on aurait perdu quand même? Le chat. Honnêtement. On aurait pu le faire, hein, ça aurait été compliqué mais on aurait pu le faire. Vous m'avez dit 70. Capitaine, réveille-toi, il est froid. Pas étonnant, tu me diras, puisqu'il était congelé. Pas le choix, je vais devoir lui faire un gros bisou tout chaud pour le réveiller. Waouh. Ouais, c'est quoi ça? Je suis réveillé, j'étais gelé, mais quand même pas au point de devoir me faire embrasser par toi. Capitaine, tu t'es enfin réveillé. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Je me suis enfin décongelé, ça faisait si longtemps que j'étais coincé dans la glace. C'est elle l'équipe, hein. Ils sont bizarres, hein. J'aurais perdu, vous pensez, perdu 100%? Père, ah ouais, ouais, ouais. Oh putain, on voit la confiance qui règne entre nous. Hein. On voit, vous connaissez mon niveau. Non mais en vrai, les gars, ça aurait été trop, hyper chaud. Ça, tu peux le dire tout seul, sans mon nounours. Mais qu'est-ce que c'est que ces dialogues? C'est ça, la fin?
Et le mur, ça t'intéresse qu'on te raconte? Et si je disais pourquoi on n'a pas fini? On a fini coincé dans la glace 1? Je m'en doutais, on est des joueurs des crocs du Nord. Je suis le capitaine. Non, Forge. Je veux rejoindre le 5e secteur et devenir l'équipe la plus puissante de la Terre. C'est ce qui nous a réunis. On est allé s'entraîner au pôle sud pour que le 5e secteur nous accepte. On a travaillé d'arrache-pied. Et maintenant, on est tellement fort qu'on pourrait facilement tenir tête à la meilleure équipe du 5e secteur. Ah oui! Ah, mais il devait être chaud en vrai. Le problème, c'est qu'au moment de partir, on a trébuché, on est tombé dans l'océan, on est arrivé ici congelé dans la glace. Ils doivent être chauds, je pense, hein, les gars. Je sais pas, c'est des mecs. Mais c'est vraiment un gros coup de bol qu'on soit arrivé au Japon. On va dire, tu vois, c'est l'équipe 0 de Wish. Prochaine étape, le siège du 5e secteur. Bon, bah, malheureusement, on peut pas affronter l'équipe 0, on va affronter 0 de Wish. Attendez. Est-ce que l'un d'entre vous sait où il se trouve au moins? Quelque chose me dit que tu sais, toi. Oui, toi, le mèche en cheveux en spirale. Non, mais je veux juste t'affronter, moi. Quoi? Il veut pas m'affronter? Tant pis, on va devoir utiliser les grands mains pour se faire parler. Oui, allez. Ok, j'ai cru, il allait pas m'affronter. Ah, ils sont forts. En vrai, ils doivent être comme l'équipe de Tuscat, je pense. Ah putain, en plus, c'est la même musique, quoi. Ils doivent être comme eux, exactement. Ouais, ils sont un peu préparés. Oh là là, météor géant, bizarre du léopard. Waouh, ils ont l'air forts, un petit peu. Oh, il a combien de défense, lui? 185 interceptions. On peut pas perdre contre ça, les gars. Mais j'avoue, ils sont un peu bizarres. Allez, c'est parti, les gars. Bon, bah, pour ce dernier match, c'est quoi? On va faire jouer El Casito. On va faire jouer une équipe un peu troll. Ouais, je pense que ça va passer large, hein. Ça se trouve, je vais me faire surprendre, on sait pas, hein. Allez, c'est parti, les gars. On va aller aise, Zero AliExpress. Oh non, mais Wally, il fait que des oups. Mais je le dégage de l'équipe, vas-y, tu m'as fané, gros. T'es une grosse merde. T'es la pire des merdes que j'ai vu dans ma vie. Dégage de là, c'est bon. Il est trop nul, ce mec. Le mec le plus nul du let's play, quoi. Ils sont exclusivement sur ombre. Ah, il y a une autre équipe, ça veut dire, sur comme ça. Sur l'autre version. Sur lumière. Oh bordel. J'aurais pas dû les sous-estimer. Oh putain. Ils vont marquer un but. Non. Oh, j'aurais pas dû les sous-estimer. Ils ont des esprits. Il va marquer, je pense. Un signe de sauce. On n'a pas l'avantage élément. Oh putain, let's go, il est nul. Il est nul, ça va. En vrai, il aurait dû marquer, hein. Nickel. JP, il est en train de nous faire des sacrés matchs là, hein, pour cette fin de jeu. Ah, Rayon, t'es nul. Fais des vraies passes. Fais-moi des vraies passes. Ah, c'est une fraude, leur attaque. C'est un sketch. On n'a jamais eu autant d'esprit guerrier dans l'équipe. Alors par contre, le terrain il est horrible, les joueurs ils font que glisser. Oh, niveau plus, nickel. El Casito, allez, on le fait tirer. On fait plaisir aux fans d'El Casito. Petit blizzard du léopard. Ouais, JP Messi. Ouais, mais d'accord, ouais, d'accord.
Enfin, ils ont des esprits guerriers, ouais, ils ont combien de... d'endurance? Putain, il est hyper endurant, le sien, il perd rien. Et vous savez, en Chronostone, les matchs 99, on est d'accord, ils sont trop chauds, non? On est d'accord, les gars, les matchs 99 dans Chronostone, ils sont difficiles, non? Celui de du patriarche. Ouais, putain, mais il fait que spammer. Ouais, ils sont forts. Ouais, ouais, ils doivent. Oh, Chronostone, on pourra jamais finir l'after game. C'est impossible. Alors, faudra vraiment faire des live XP par contre. Parce que sur ce jeu, on en a fait quelques-uns sur. On a fait quelques-uns sur Twitch. Sur YouTube, on en a fait zéro par contre. Il veut pas mourir lui hein. Qu'est-ce qu'il fait? Et ce match j'ai intérêt à pas le sous-estimer en vrai parce que je fais un peu n'importe quoi là. Yes, Arion. Oh putain, il lui a mis une patate. Un crochet du droit dans la gueule. Oh, laisse tomber. Arion, je vais pas vous mentir. Hein. Je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il est fort, Baron. Arion, accélère. Let's go. Ah merde, on a plus assez. Il va peut-être l'arrêter. C'est quelle équipe? Ça c'est une équipe exclusive à la version. Putain, il avait pas assez. Mais merde, je suis en train de passer à côté de mon match là. Je suis en train de passer à côté du match. Oh Victor, Victor, est-ce qu'il va nous sauver le match comme contre l'équipe ombre? Ah oh, Victor, il est trop fort. Arion, ouais, c'est pas la grande histoire d'amour hein, entre lui et moi. Putain, mais Victor, il vraiment, il nous a sauvé le let's play, hein, vraiment. Hein. Sans Victor, on perdait le premier tour du tournoi, vraiment. Vous imaginez Inazuma Eleven Go sans Victor? L'équipe, elle fait rien, elle est nulle. Et ouais les gars, c'est vrai, il y a le couvre-feu maintenant à 18h. D'ailleurs moi c'est trop galère pour rentrer chez moi. Je vais avoir cours en présentiel la semaine prochaine. Je vais trop galérer parce que moi je prends le train. Ça va être vraiment une galère. En vrai, je vais pas vous mentir, maintenant je préfère avoir cours en distanciel. Certaines fois. Oh, il avait un esprit guerrier leur goal. Putain, heureusement il l'a pas utilisé dès le début. Non, en vrai 1-0 ça me va, hein. Je pense qu'on va les battre 1-0. Si on fait pas d'erreur on les bat 1-0. IPC, tu dois être chaud. Comment ça, je dois être chaud? Il y aura Ricardo pour faire de la musique épique. Mais Ricardo, il m'a cassé les couilles dans l'esprit avec sa musique. Puis je m'étais pris un copyright une fois avec sa musique sur une vidéo, sur un live.
Bon, ça se voit quand même qu'ils sont moins forts, largement moins forts que Zéro, Ombre Ancestrale, machin. Ils sont quand même moins forts, hein, parce que là, les gars, je joue vraiment en mode bas les couilles. Hein. Les gars, je vous le dis, hein, ils sont vraiment moins forts. Même si tu gagnes, tu n'auras rien pour accéder à l'équipe 0, je te le dis, car en affrontant les crocs du sud de lumière, j'ai rien obtenu. Ouais, bah je sais pas alors. On verra. Ouais, gars, on va essayer, hein. Sinon, ça veut dire que cette équipe là, ça veut dire que c'était la dernière du let's play. Ça marche pas. Oh, par contre, on a Oh, ouais, tir surnaturel, patinoire. Putain, c'est maintenant qu'on augmente et qu'on gagne des trucs de ouf. C'est toujours à la fin du let's play qu'on a des trucs de ouf. Qu'on a des trucs de dingue dans notre équipe. Bon, les gars, on va tester. On y retourne. On y retourne, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci pour y aller, genre? Non, il n'y a pas, je crois. Mais attends, ma question, les gars, dans le chat maintenant, c'est pas. Je parle plus de DS, plus de ombre, lumière. Je parle de. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur émulateur Citra qui a réussi à avoir l'équipe 0? Et si oui, comment? C'est ça ma question. Donc, ceux qui me parlent de DS, ça sert à rien parce que je joue pas sur DS. Donc, s'il y a quelqu'un qui joue Citra, est-ce que vous avez réussi à débloquer l'équipe 0? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait? Oh, toi, dégage, putain. Pour l'instant je vois pas de oui. Ça veut dire que c'est un peu chaud. C'est un peu mort peut-être. On va essayer le download. Le download, attends, c'est où le download? Avec un code triche peut-être. Non mais les gars, je pense que ça va être compliqué, hein. T'es arrivé à faire le secret? Non, j'ai pas réussi. Je pensais que ça allait marcher mais ça marche pas. Donc je suis un peu dégoûté parce que je voulais clairement affronter cette équipe en équipe ultime. C'est clairement la meilleure équipe du jeu, de loin je pense. Zéro, oui, moi j'ai Citra avec une personne sur Discord. Comment ça? T'as Citra avec une personne sur Discord? Comment t'as fait? Est-ce qu'il y en a un qui peut m'envoyer une ROM au pire de lumière à 100%? Comme ça je fais la connexion. Genre vous me l'envoyez, je la télécharge et j'essaie de faire la co. Voilà, là on peut pas. Est-ce qu'il y en a un, s'il y en a un dans le chat qui peut me dire si c'est possible de le faire? Peut-être si quelqu'un a fini le jeu sur lumière. Ouais, du coup si quelqu'un aurait lumière sur Citra et aurait fini le jeu, qui m'envoie le sur Discord sur mon serveur. Oui, tu peux me l'envoyer Tescat ou pas? Attends, je vais regarder sur Discord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un héros là? Mais sinon au pire je ferai en hors vidéo. Et peut-être qu'on fera sur Twitch la fin. Je peux te faire le secret en une seconde. Bah vas-y, hein, moi j'attends. J'attends les gars sur Discord. Mes DM sont ouverts. Au pire vous mettez dans le chat général. Là je suis en train de regarder le Discord, les gars. Je suis en train de regarder le Discord. Voilà, il y a le lien du Discord. Merci Legender. Tu peux recruter Tescat si tu n'as pas battu Zéro. Recruter Tescat. Non, non, c'est trop long, les gars. Je vous jure, c'est trop long. Njord, ça m'a pris, honnêtement, ça m'a pris 4 heures pour le recruter. Un peu moins. Mais c'est trop long, hein. 4 heures pour Njord, quoi. Bon, les gars, il y a beaucoup de gens qui viennent de rejoindre. J'attends de voir. J'attends 5 petites minutes et puis on voit si ça marche ou pas. Au pire, comme je vous l'ai dit, on fera sur Twitch la vraie fin. Si j'arrive bien sûr à le faire. Faut avoir battu Bailon. Ouais, je sais, les gars. C'est ça le problème. Putain, en vrai, j'ai trop le seum. J'étais tellement dans un mood. Putain, vas-y, il faut que c'est la Ligue des Champions. Faut que je sois hyper concentré pour les battre. Et là, le jeu, il me brise mes rêves. Non, on peut pas recruter Tescat avant d'avoir battu Zéro.
Ouais, de toute façon, ouais, bah encore plus compliqué quoi. Le recrutement du jeu, vraiment, il est trop compliqué. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc aussi dur. Faut avoir 20 000 objets. Je prépare les commandes au cas où. Limite sur mon serveur Discord, on dirait un raid tellement il y a des gens. Bon bah les gars, il y a personne qui m'envoie un truc. Il y a beaucoup de monde qui parle sur Discord, mais personne m'envoie un truc, donc c'est un peu la galère là. Personne m'envoie une ROM à 100%. Squad view ou pas demain? Je sais pas, Legendeur. Je te tiendrai au courant sûrement. Je sais pas trop ce que je vais faire demain en live Twitch. Y'a Alexandre qui a battu 0 l'autre jour. Ouais, mais sur c'était sur quoi? C'était sur Striker, les gars. Ça a rien à voir. On joue pas à Striker là. De toute façon, Alexandre, grosse exclue pour vous. On va l'affronter dans pas longtemps sur Inazuma Eleven Ghost Striker 2013. Il va prendre sa revanche. Et avec les, ça sera notre équipe ultime de Rayman à chacun. Prends une ROM hack, mec. Ouais, mais une ROM hack, le problème c'est que je sais pas où les trouver. Je sais pas les trouver, et une ROM hack à 100%, je sais pas comment du tout le faire. Reprendre le secret maintenant, c'est jamais. On peut essayer une dernière fois le secret, ouais. Rafraîchir la liste. Ok les gars, on peut le retenter hein. Émulation. Je la redémarre. On va voir. On retente une dernière fois, mais c'est un miracle, hein, je vous dis, ça marche. Existence sans satellite, tes données sur ombre, sur lumière. Mais les gars, je sais pas comment on fait. Tac, multi et plus. Secret. Allez, on réessaye, les gars. Est-ce que ça va marcher? Non, mais tu as une ROM lumière ou pas? Oui, mais pas à 100%. Il faut une ROM lumière à 100%. Donc, s'il y en a un qui peut me l'envoyer sur Discord, ça serait cool. Mais sinon, on fera à la fin sur Twitch au pire, c'est pas grave. On la fait pas là, on la fait sur Twitch. J'essaierai de trouver la ROM et d'en avoir une. Le salon de Citra que j'essaie de rejoindre, c'est un serveur d'Europe. Apparemment, il y a un abonné qui m'a dit que ça allait marcher, mais c'est pas ouf. Ouais, y'a Clément. Bah, Clément, si tu peux rejoindre le Discord et m'envoyer ça, je suis chaud. Comme ça, on fait le liaison et on peut. Mais là, les gars, je perds un peu patience et un peu espoir. Ça, non. Oh putain. Veuillez patienter, mais je fais que ça, patienter, gros. Le save est pas dans la ROM, c'est un fichier à part. D'accord, bah, il me manque le fichier à part, très clairement. En plus, vous savez pas faire, les gars, c'est le problème. Moi, je sais pas faire et il y en a qui, ceux qui ont la ROM à 100%, ils savent pas envoyer le fichier et tout. On voit vraiment la galère. Je pense que ça se passerait sur Twitch, hein, clairement, le dernier match. Hein. Je pense que ça se passera sur Twitch. Hein. Légendeur, pour le Discord, on fera ça. Je pense qu'on fera ça demain pour leur envoyer le Discord et tout. Bon bah les gars, rip, hein. Très clairement rip. Je suis au bout de ma vie. Ajoute Mimic sur Discord, attendez. Vas-y, bah c'est dernier espoir les gars. J'ajoute Mimic, on voit ce qu'il me propose. Et puis sinon bah tant pis. Mimic. Ah, j'ai trop de demandes Discord, c'est un problème. Mimic. Et tu m'as même pas envoyé de demande, gros. Yeah, vous êtes marrant, gros. Vous m'envoyez même pas de demande. Le mec, il me dit d'ajouter un mec qui m'a même pas ajouté. Et je peux pas l'inventer, son pseudo, moi. Non, les gars, y a pas de demande, là. Qu'est-ce que vous me racontez? Attends, j'ai un ami Rem, je te le ramène. Ok. Aussi, comment recruter Axel et Marc? Non, j'ai pas Twitch.
Au pire les gars, c'est soit non mais je pense pas que je vais refaire un live sur YouTube sur le jeu. De toute façon ça sera trop court sinon. Ça sera sur un live Twitch, mais je vous préviendrai de toute façon. Et puis il y a pas besoin d'avoir un compte Twitch pour regarder les rediffs hein les gars. Attends, tiens ton tag, je l'ajoute. Je t'ajoute. Je viens de t'envoyer une demande d'ami. Bon, on attend 5 minutes. Peut-être les 5 minutes qui vont changer notre. Ça va, Tanguy? Sans savoir, je fais quoi maintenant? Bah, en fait, il faut que tu arrives à nous envoyer le fichier de ta sauvegarde. C'est ça le truc. Faut que tu nous envoies le fichier de sauvegarde de ton jeu. Et il va falloir que j'arrive à le mettre dans lumière. Donc, rien que ça, c'est chaud aussi. C'est trop chaud, la vérité, ma vie, c'est trop chaud. Bon bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Alors, je viens de recevoir une save, je crois. Attendez, je viens de recevoir une save, peut-être qu'on a un sauveur. Game IE4, peut-être. Faut te mettre la ROM lumière, clique droit, sauvegarde et tu copies les données. Attends, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, attends. Tac, je télécharge déjà les deux fichiers qu'on m'a envoyé. Tac. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre la ROM lumière. Ok, je les ai copiés les fichiers déjà. Tac. Comment on fait pour changer les sauvegardes? Comment on fait pour changer la sauvegarde d'un jeu, les gars? Que je la mette dans lumière. Attendez. Je vais ouvrir la version lumière. Attendez, hop, je quitte le jeu. Tac. Bon, dernier ultime essai, les gars. Je suis pas sûr que ça marche. En vrai, je sais pas. C'est une galère. Comment je peux faire? Ouvrir le dossier sur Citra. Ajouter un nouveau répertoire de jeu. Attendez, je vais faire un petit répertoire de jeu, comme ça j'aurai le dossier. Je l'ajoute là. Ah putain, c'est pas possible. Et pourquoi, wesh? Je crois ça, j'arrive même pas. Bon bah c'est pas grave les gars, on fera ça sur Twitch, on va pas s'embêter, là j'avoue que ça me casse un peu la tête. On fera ça sur Twitch les gars, là c'est un peu compliqué, j'arrive pas à le faire. J'aurais clairement dû m'y prendre plus en avance, mais bon j'ai écouté un abonné qui m'avait dit à quelque chose. Je pensais que ça allait marcher, d'ailleurs j'avais fait un test avant, ça m'avait fait ok, il y a des téléchargements qui sont en cours. Donc je me suis dit, ça allait marcher sur le jeu, parce que j'avais vu tout simplement que ça pouvait marcher. Et puis non, au moment du live il m'a planté le truc. Dommage. Bon bah les gars, y a pas besoin d'avoir Twitch, vous inquiétez pas. On fera ça sur Twitch, y a pas besoin de l'avoir. T'as pas un compte, c'est pas un problème. Juste ouvre Twitch, tu tapes Twitch sur ton Google et normalement t'as le jeu. Enfin t'as le live, donc ça sera bon. Donc désolé les gars pour ce live, il va se finir là-dessus. Je suis un peu déçu. On peut regarder vite fait les cartes joueurs de TS4 pour voir combien elles coûtent. Je sais même pas où elle est, tu vois. Écoute Mimic. Mais les gars, ça fait 20 ans, je vais pas faire le tuto pendant 20 ans, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas les gars, je n'y arrive pas. Donc il faudrait que je le fasse en privé, au pire je vous appelle et vous m'expliquez, mais là c'est compliqué, tu vois. Mais les gars, on fera ça plus tard, de toute façon je devais arrêter vers 20h les gars, aujourd'hui c'est dommage, on le fera pas, ça s'arrête comme ça, je suis désolé. Faut faire des choix dans la vie, j'ai fait un choix, aujourd'hui on le fera pas, je suis désolé. Mais de toute façon c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas le match on le fera. Mais ça sera pas sur YouTube du coup. Putain je suis déçu, la vérité je suis déçu comme vous les gars. Je voulais le faire le match hein. Elle est où la carte genre de TS4 vite fait qu'on regarde? Un clic droit et envoie ta save à Mimic. On peut l'essayer, mais même ça les gars, il faudrait qu'on envoie les deux jeux.
Faudrait qu'on ait les deux jeux et qu'on les ouvre en même temps dans l'émulateur. Je sais pas faire, je vais lui envoyer si vous voulez, mais... Je vous jure, j'ai tout tenté, les gars, ça me saoule. Je lui ai envoyé les saves, hein, mais bon, on verra ce qu'il peut faire avec. Le petit, ça prenait 2 secondes à faire. Non, Rems, écoute-moi. Mais là, je t'ai envoyé les saves, gros. Mais de toute façon, même si là, on le fait, les gars, c'est trop tard. C'est trop tard, je vais devoir arrêter le live. Donc, même si là, on réussit à le faire à la dernière seconde et que ça marche, je vais devoir arrêter le live. Je devais arrêter vers 20h. Donc, il est 20h, les gars. Donc, je pensais que ça allait être plus rapide, mais... J'ai pas compris ce que tu es en train de faire. Bah j'essaie de connecter une version de lumière sur émulateur à 100% à une version de ombre à ma version, tu vois. C'est ça que je suis en train de faire. J'ai testé sur l'émulateur avec une personne l'autre jour sur lumière. Donc les gars, dans tous les cas, même si on réussit à le faire là, on pourra pas le faire maintenant le match. Donc les gars, je répète, je suis désolé. J'affronte Lumière Éternelle et on teste sur Discord. Mais on testera les gars, de toute façon on va le faire le match. Mais du coup pas aujourd'hui. Je suis désolé vraiment pour ceux qui espéraient de le faire aujourd'hui. Moi aussi j'espérais. Du coup la carte jour de TS4, je sais même pas où elle est. Si on a un qui peut me le dire vite fait qu'on aille voir. Refait sur YouTube STP. Ah non, je pense pas les gars. Ça voudrait dire qu'on fait juste un live pour ça. Ou alors je le mets en bonus, vraiment bonus peut-être. Je sais pas, je vais y réfléchir les gars, j'y réfléchirai. Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, on la fera cette équipe. T'as envoyé la sauvegarde. Ouais, j'ai la sauvegarde, mais je sais pas comment la mettre dans le jeu. C'est ça le problème. Mais cette sauvegarde, et ça va marcher. Mais je sais pas comment la mettre dans le jeu. C'est ça le problème, les gars. Je ne sais pas comment mettre une sauvegarde dans le jeu. Je ne sais pas, les gars. Je sais vraiment pas. Je peux essayer mais je sais pas faire. Allez, elle est où l'équipe de TS4? Faut battre 0. Ah d'accord, ok, d'accord. Même ça on n'a pas le droit. Même un peu de bonheur on n'a pas le droit. Prends le Gok, t'as fait un match, t'as pris 3 heures de live. Ouais mais je me suis fait daron d'après gros. Hein. Tu sais pas mon daron. Hein. Vous connaissez pas mon daron moi. Je fais 3 heures de live aujourd'hui, je suis mort. Vous vous dites clairement. On fait 3 heures de live aujourd'hui, c'est on peut plus faire de live pendant je sais pas combien de temps. Enfin, il va pas me défoncer, mais il va je vais me faire défoncer dans tous les cas. Parce que en gros, je dois manger et c'est pas un restaurant chez moi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est moi, je sais vraiment pas comment mettre la sauvegarde dans le jeu les gars. Quitte ton jeu, tu cliques droit sur le nom du jeu puis tu fais ouvrir l'emplacement de sauvegarde. Alors, le problème Mimic si tu veux, il faut que j'arrive à avoir le jeu sur l'émulateur. Parce qu'en gros, attendez, je vais vous montrer. Quand je... Attends. Je vais relancer mon émulateur. Je vais vous montrer à quoi il ressemble sur la base. Donc tu m'expliques juste comment avoir mon jeu en raccourci et c'est bon. Hop, regarde. Parce que là, si tu veux... Tac, tu vois, c'est comme ça, le logiciel de base. Et j'ai pas le jeu ici. Et je sais pas comment le mettre ici. Donc si tu m'expliques à le mettre ici, que je puisse faire un clic droit dessus, ok. Mais sinon, c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, ok. Il est en train de nous répondre, les gars. Le sauveur est en train de nous répondre. Rem s'est fait daronnette sur Twitch MDR. Comment ça? Tu utilises des points 3DS? Ouais, exactement. Mais je sais pas pourquoi elles s'en sont pas mises ici, en fait, sur le truc. Donc, je sais pas du tout comment l'ouvrir. Oh, peut-être là, en fait, si on fait un clic droit, peut-être. Sur Inazuma. Non, ça marche pas les clics droits. Tu fais double clic, tu mets ton fichier où il y a le jeu. Attends, quoi? Tu fais double clic et tu mets ton fichier où il y a le jeu. Crée un dossier ROM 3DS et dedans, mets toutes tes ROM. Attends. Ah, j'ai peut-être une idée. Attends, je crois savoir comment faire, les gars. Je crois savoir comment faire, attendez. Je vais créer un fichier sur mon bureau.
Attendez, je teste un truc, hein. On va le tester, les gars. Hop, ROM 3DS. Tac, faut juste que je retrouve le jeu où je l'ai mis dans quel emplacement. Je l'ai mis... Tac, ok. Ça va peut-être marcher, là, les gars. Tac. Jeu 3DS. Ok. Lumière, on va le mettre ici. C'est en train de le copier. Et après, je pense qu'il faut que je l'ouvre dans fichier, je pense. Il y a moyen d'ouvrir, je sais pas où, je pense. Si toi, tu fais un clic droit sur le jeu, tu cliques sur ouvrir l'emplacement du dossier de sauvegarde et tu glisses à sauvegarde. Oui, mais le problème, en fait... Les gars, vous comprenez pas quand je parle ou... Ça se passe comment? En fait, le truc, c'est que là, je vais vous remontrer. Ici, il n'y a pas le jeu. Donc, il faut que j'arrive à le mettre ici. Parce que là, si vous voulez, si je fais fichier récent, je fais un clic droit, ça fait rien. Donc, il faut que le jeu apparaisse ici. Là, à la place de 000 app. Donc, celui qui sait comment faire ça, qu'il me le dise. Mais je crois que j'ai trouvé, mais je suis pas sûr. Puis après, dans Citra, tu fais ajouter un emplacement et tu sélectionnes le dossier. Tu fermes Citra et tu relances tous les jeux. Ajouter un emplacement, puis tu... Attendez. Tu fais ajouter un emplacement, puis tu sélectionnes le dossier. Attendez, c'est compliqué ça, frère. Attends, attends. Les gars, je vous jure, c'est trop la galère. C'est là, c'est du codage, gros, je comprends rien de ma vie. Donc il m'a dit, ah, dans Citra, t'ouvres un fichier. Ah, attends, attends, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté, les gars. En fait, il faut faire ajouter un répertoire de jeux. Je crois que c'est bon. Si je vais là après, je vais dans bureau, je prends celui que j'ai fait à l'instant. Il s'appelle ROM 3DS. Ah, je crois que c'est bon. Attendez, j'ai le jeu. Ouvrir l'emplacement de données de sauvegarde. Ok, donc là je suis sur lumière. Je supprime ça. Je colle ça. Et on lance lumière. Et on teste, les gars. Bah les gars, on va tester, hein. Je suis en train de lancer lumière, on va voir si la charge elle s'est fait à 100%. Allez les gars, il faut un peu d'espoir. Non. Non, non, elle est pas à 100%. À moins que je relance le jeu. Putain, bah les gars, ça se prend hors vidéo là. Là j'ai tout essayé. Mais très clairement, j'ai fait l'ouvrir. J'ai ouvert l'emplacement de dossier de sauvegarde. J'ai mis tes deux fichiers. Mais ça marche pas. Attends, je relance le jeu pour voir. Non, non, les gars, ça va pas marcher pour l'instant. Oh là là, la galère, frère. Putain, mais pourquoi, gros? Inazuma, pourquoi j'ai go. Pas de chat? Lumière. Attendez, on réessaye. Je vais recopier les dossiers. C'est une galère, wesh. En pleine galère. Là, je resupprime ce qu'il y a dedans et je mets les nouveaux qu'on m'a conseillé de mettre. Je ferme Citra, je relance Citra, lance la game du jeu. Ah, vous pensez ça marche? Bah, on va le tester. Dernier essai, les gars, là c'est The Last Essay. The Last Essay, après sinon je le fais hors vidéo, j'appellerai quelqu'un pour qu'il m'aide en temps réel. Mais là c'est dernier essai, les gars. Je vous jure, j'ai tout tenté, bordel. Ça me fait à zéro. Mais c'est pas possible. Bah, les gars, tant pis, hein. Tant pis, les gars. Lance la game, faut juste rentrer le jeu. Non, non, ça marche pas, les gars. Ça me met le jeu à zéro maintenant. Je comprends rien, ma vie. Mais putain de bordel. Mais c'est pas possible. Ah merde, non, ça a pas marché, les gars. On fait le truc début, il fait continuer. Non, mais maintenant, on a même plus continué. C'est ça le problème. Inazuma.
to my 11, go. Bon les gars, tant pis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'aurais essayé les gars, j'aurais vraiment tout essayé. Du coup on s'arrête là. Je vais relancer du coup le jeu Inazuma Eleven Go Ombre. Comme ça au moins on s'arrête là. J'espère d'ailleurs, j'ai même pas perdu ma sauvegarde. Franchement ça me... Oh non. Si j'ai perdu ma sauvegarde Go Ombre, oh, c'est le pire truc qui peut nous arriver. Attends, hop. On va voir. Eh dommage, dommage, rip. J'aurais bien aimé moi aussi affronter Zéro, mais on n'aura pas le privilège en tout cas pour aujourd'hui. Non, la sauvegarde est encore là. Ok les gars, bon, et ben tant pis. On arrête là les gars, on part avec un petit coup de seum. Mais tous ceux qui veulent venir sur Twitch, d'ici la semaine prochaine je pense, samedi prochain, on affrontera l'équipe Zéro sur Twitch. On va essayer de le faire à 100%. Du coup aujourd'hui le stream bah, ça aurait été... Mais ta mère toi. Putain mais jusqu'au bout. Allez hop. En tout cas moi j'ai bien aimé le let's play. J'ai bien aimé faire ce let's play sur YouTube les gars, c'était plutôt pas mal. Le Let's Play Inazuma Eleven Go Chronostone, on va le faire dans 2 semaines. Donc retenez bien ça les gars. Dans 2 semaines on commencera normalement le Let's Play Chronostone. Ou peut-être une semaine plus tard, peut-être 3 semaines. Enfin 2 semaines, 3 semaines. Le temps de me laisser préparer les overlays, les cadres, tout ça du Let's Play. En tout cas, ah l'équipe Zéro quand même, putain. Les chats ils ont aidé le chat, mais vous inquiétez pas, la semaine pro sur Twitch on va les défoncer. On va les défoncer je vous le dis. Mais en tout cas merci le chat d'avoir aidé. Attends, j'ai pas désactivé les notifications Twitch. Hop. En tout cas, merci le chat d'avoir aidé, d'avoir été présent aujourd'hui. Vous avez été très nombreux. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bon, c'était un peu moins intéressant, mais c'est dommage. C'était un peu moins intéressant la fin. Donc vraiment, je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, on a quand même battu l'équipe d'OTS4, ça fait plaisir. Alors, on a quand même fait un gros match aujourd'hui, mine de rien. Donc merci les gars d'être passés. Et tous ceux qui ont la solution, qui je vois dans le chat, ça dit des... Envoyez-moi des DM Discord, je suis dispo normalement, pas ce soir, demain vraiment je vais prendre le temps pour régler ce problème avec vous. Donc les gars, prenez le temps de m'envoyer des DM sur Discord. De toute façon, celui qui m'a parlé tout à l'heure, Mimic, on reparle, si tu veux je t'appellerai demain pour qu'on en discute et régler ce problème. Mais du coup voilà les gars, merci à tous ceux qui avaient été là. Merci à tous ceux qui ont suivi le let's play, merci pour les likes, merci pour tout les gars, merci pour les dons, pour tous ceux qui ont sub, franchement vous êtes les boss les gars, je le répète pas assez, mais vraiment vous m'avez fait plaisir. En fait ce let's play si vous voulez, c'est un jeu qui a des moins bien la licence, mais vu qu'on l'a fait en live avec vous, et ben c'est beaucoup mieux parce que si j'avais fait tout seul de mon côté, bah j'aurais, je pense j'aurais pas pris autant de plaisir que le faire en live. Du coup les gars franchement merci à vous, j'ai vraiment pris grave du plaisir à le faire, c'était cool. Mais ça c'est surtout qu'on soit en live, parce que franchement les gars on aura rigolé quand même. Dans ce let's play ça sera passé des choses. Entre Arion qui prend de la weed et qui rêve de TS4 les gars. Non mais c'était trop. Bref les gars, ciao. Merci d'avoir suivi ce let's play. Et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour enfin battre cette putain d'équipe de Zéro. Merci et à plus les gars, passez une bonne soirée. Ciao.